Salut à toute la communauté des investisseurs Wether & Co. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transférer les fonds d'un compte Wether partenaire à un autre partenaire Wether. Alors, nous allons entrer dans notre compte. Je suis déjà dans mon compte. Alors, la première des choses à faire, c'est d'être sur Balance. Donc, on doit choisir l'onglet Balance. Puisque ici, on a l'onglet Portfolio, ici, et on a l'onglet Balance. Donc, ce qui nous concerne, c'est l'onglet Balance. Donc, ici. Ici, pointé en rouge, là, c'est l'onglet Balance. Donc, on va cliquer sur l'onglet Balance, ici. Et dans Balance, on va choisir transfert. Ici, on va choisir transfert ici. Donc, nous cliquons sur transfert. Et dès que le transfert va s'ouvrir, on nous dit par exemple que le solde ici est de 1,1 dollar et on dit select. On nous dit ici select. On nous dit select de récipient. Donc, choisir le bénéficiaire. Alors pour choisir le bénéficiaire, il y a plusieurs manières de le choisir. On peut soit mettre son numéro de soit mettre son numéro de téléphone, soit mettre son ID ou son identifiant Wether. Bon, pour notre cas ici, on va essayer de mettre le nom de la personne pour voir si ça va sortir. J'écris par exemple, je mets là, j'écris ici et vous voyez. Quand je mets comme ceci, quand j'ai mis le nom, vous avez vu ici, celui à qui je voulais envoyer est arrivé. Vous voyez, avec son numéro de téléphone est sorti. Bon, je vais essayer aussi également pas mettre son numéro de téléphone. 237 par exemple. Je mets le numéro de téléphone 237 662. 600 91, ça prend 697, pardon, 123, 0, 37. Et je lance la recherche. Vous voyez directement, le même nom encore apparaît. Pardon, le même nom encore apparaît ici. Donc, je vais valider ce nom, je valide. Maintenant, je vais venir remplir le montant ici. Ici. Je vais par exemple lui envoyer 1 dollar. Je vais remplir 1. Et après, je cherche le mot de confirmation, la clé de confirmation. Je vais choisir Telegram ou WhatsApp ou email. Je viens de choisir ici. Telegram, c'est ce que je vais choisir ici. Telegram. D'aucuns peuvent choisir WhatsApp ou email. Mais moi, je vais choisir Telegram ici. Donc, je vais cliquer sur Telegram. Et après avoir choisi Telegram, je vais cliquer sur Send Code. Je choisis Send Code. Directement, on me dit le code a été envoyé. Et voilà, Telegram a envoyé le code 320048. Je vais mettre 320, pardon, 320048. Et quand j'ai mis le code, je vais venir cliquer sur Check. Ici. Mais attention, regardez également le minuteur ici en bas, donc il doit le faire rapidement. Clique sur check. On dit success. Vous avez vu ici en bas, c'est écrit success pour dire que le transfert a bel et bien eu lieu. Donc le transfert est parti. Alors je peux venir cliquer sur next. On dit The operation was a success. Donc, dit l'opération a été un succès. Vous avez vu? Maintenant, je peux venir cliquer sur close pour fermer. Alors, je clique sur close ici pour fermer. Je clique sur close pour fermer. Voilà, vous voyez, lorsque je reviens dans mon compte ici, je me rends compte que mon solde au départ était 1,1. Maintenant, il a disparu, il est de 0,11. Donc l'opération s'est très bien déroulée. Alors les amis,
Pour tous ceux ou celles qui découvrent la vidéo la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un like. À plus pour les prochaines vidéos. Bye.